Jacques, chapitre 5, verset 16. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La majorité des biblistes connaissent et comprennent l'importance incroyable de la prière et du combat spirituel, mais cependant, peu seulement l'appliquent de manière réelle et tangible. Cette section ne propose d'aucune façon une étude complète du sujet. C'est plutôt une exhortation à appliquer le combat spirituel au domaine de l'agriculture. Le combat spirituel et la prière ne sont pas destinés aux campagnes d'évangélisation, aux forces missionnaires ou événements d'église. Le Seigneur a donné cet utile à ses enfants pour que nous soyons capables d'exercer notre autorité spirituelle dans toutes les sphères de la vie, pour que le royaume de Dieu y soit fermement établi. Chaque année, des gens crient aux esprits de leurs ancêtres de venir garder leur terre et de les rendre fertiles afin d'obtenir une belle récolte. Des sorciers répandent du sang des animaux sacrifiés, des os ou des potions magiques sur le sol à certains endroits stratégiques du champ. Ces pratiques sont courantes même dans les communautés qui fréquentent l'Église. L'ingérence dans le monde spirituel ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Pouvez-vous le sentir se retirer et dire, « Eh bien, voyons maintenant ce que peuvent faire ces ossements secs pour toi. » Ou, « Tu as demandé aux morts en premier, qu'ils répondent à tes besoins. » Proverbes chapitre 15, verset 29. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Les cris désespérés du méchant n'atteignent pas Dieu car il se tient loin de lui. Ceux qui pratiquent la sorcellerie et d'autres péchés ne peuvent pas faire connaître leurs requêtes à Dieu avant de s'humilier par la confession et la repentance. Il gouverne toutes choses. Jésus a reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux. Mais malheureusement, nous avons aussi reçu la liberté de choisir qui nous voulons voir régner sur nos vies, nos familles, nos foyers, nos champs, nos communautés, nos nations. Nous devrions amener Dieu dans tous les domaines de nos vies, y compris dans nos fermes. Nous pouvons lui parler de nos problèmes à la ferme, prier et lui demander sa bénédiction sur nos cultures et nos familles, même dans les périodes désespérées. Cependant, la terre doit être rachetée, et cela se fait en reconnaissant nos idolâtries, nos sorcelleries, le sang innocent versé et nos autres mauvaises voies qui font que nous vivons sous la malédiction. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous qui sommes devenus la justice de Dieu par Jésus-Christ devrions prier avec foi dans la parole et les promesses de Dieu que nos fermes et notre communauté prospèrent. Nous revendiquons notre statut de fils de Dieu en amenant Jésus dans tous les domaines de nos vies. Jésus nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Le royaume de Dieu est un royaume glorieux, avec la pleine bénédiction et provision du Père dans tous les domaines, où la présence de Dieu et la paix demeurent, où les enfants grandissent en santé et en sagesse, où la vérité et la justice prévalent. La référence de la parole établit les bornes et son esprit apporte les dons, la prospérité, la vie et l'amour. Comment marquer votre territoire? Marquer votre territoire, c'est comme mettant des piquets dans votre champ. L'humilité est le point de départ pour marquer son territoire. L'humilité, c'est reconnaître que les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres et que nous nous sommes trompés. Cet outil est très puissant pour briser les malédictions. Il ne faut jamais le sous-estimer. Jésus ne se laissait pas marcher dessus,
mais il a montré la plus grande humilité qui soit dans l'humanité durant toute sa vie. S'humilier devant lui et ne pas venir en faisant beaucoup de bruit nous permettra d'entendre ce qu'il veut que nous fassions. Jésus ne s'est jamais élevé devant son Père. Au lieu de cela, il a toujours fait référence à lui comme à la source de ses paroles et de ses actions. Jacques, chapitre 4, verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Un signe physique de cette humilité est de se mettre à genoux, de prendre la terre dans vos mains et de prier pour elle. Seigneur, je prie pour que tu guérisses cette terre au nom de Jésus. Je prie pour que ta vie soit soufflée de nouveau dans ce sol. Je te remercie que nous pouvons venir en tant que tes enfants et que tu entends nos prières. Sur ce champ, au Lesotho où Auguste Basson a reçu l'autorité, nous prions que tu puisses rançonner cette terre et la guérir. Que ta gloire puisse prévaloir ici et briller comme le soleil dans cette nation. Au nom de Jésus. La deuxième façon de marquer notre territoire est de chercher sa face et pas ses mains. Dieu désire que ses enfants aient une relation d'amour avec lui, dans laquelle ils l'adoreront et le connaîtront intimement. Très souvent, nos prières sont voilées par nos plaidoyers et nos requêtes de sorte qu'il n'y a pas de vraie communication. En cela, l'Église est largement comme un bébé qui n'a pas d'autre moyen que pleurnicher quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Et qui, en dehors de ses beaux sourires, n'a que peu ou pas de vraies relations avec ses parents. Dieu veut communiquer et être avec nous comme il le faisait avec Adam dans le jardin. Jésus a rendu cela possible. Nous devons simplement marcher dans ce chemin. Deutéronome 4, verset 29. Alors, vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Troisièmement, nous devons confesser et se repentir. La confession et la repentance font le point de départ pour remettre Dieu à sa juste place dans nos vies et sur nos terres. Dieu veut que nous marchions avec lui comme des fils fidèles, en l'honorant de toutes nos voies pour qu'il puisse aplanir nos chemins.
Quand nous prions pour revendiquer la terre, aucun cri ni hurlement n'a d'effet sur les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Cette puissance divine nous vient de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus sur la croix et de son nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus nous a appris comment prier, pas comme les hypocrites, mais en esprit et en vérité. Dans Matthieu 6, versets 5 à 13. Quatrièmement, nous devons demander pour recevoir. Combien d'agriculteurs connaissez-vous qui ont demandé à Dieu pour la pluie avant qu'ils se sont plaignés de ne pas en avoir eu assez? Il faut attendre une déclaration de sécheresse régionale pour que les agriculteurs se rassemblent pour demander à Dieu sa bénédiction sous forme de pluie. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Jacques 4, verset 2. Dieu désire que nous lui demandions, même si c'est déjà ce que nous demanderons. Ce faisant, nous reconnaissons sa puissance divine, sa souveraineté et son autorité sur toutes choses. C'est aussi un acte d'adoration. Cinquièmement, nous devons prier. Comment devons-nous prier? S'humilier et prier à genoux devant Dieu, avec un respect sincère, en prenant de la terre dans les mains. Demander pardon pour la sorcellerie et toute forme de culte idolâtre qui a eu lieu sur cette terre. Demander que le sang de Jésus la rachète et la purifie. Demander que sa souveraine seigneurie soit établie sur tout le champ. Se repentir pour l'effusion du sang innocent sur la terre, même si vous n'étiez pas responsable. Se repentir de l'orgueil d'avoir appuyé sur votre propre compréhension en ayant cultivé la terre selon les méthodes humaines pendant tant d'années et de ne pas avoir reconnu ou même considéré que Dieu avait une manière de le faire à vous proposer. Se repentir là où vous n'avez pas été un bon gérant de ce qui vous a confié, en permettant des taux d'érosion et de dégradation du sol si importants sur votre ferme. Se repentir d'avoir pris avec cupidité de la terre et de n'avoir pas rendu à Dieu généreusement, tout en demandant à Dieu de l'améliorer au fil du temps. Se repentir de votre dépendance des hommes et de ne pas regarder à lui qui est notre tout suffisant. Se repentir de vos maigres standards de gestion et vous engager à faire toutes choses comme pour le Seigneur. Demandez-lui de guérir le sol. Oui, on peut le faire. Le sol peut changer de couleur, de fertilité, de consistance en 2 ans seulement. Mais le plein bénéfice d'un changement de cœur à l'APD se révèle complètement en 5 ans. Il a la capacité d'accélérer le processus et de restaurer la fertilité de manière surnaturelle. Et nous devons le lui demander par la foi. Demandez sa bénédiction sous forme de pluie, de soleil et de protection des ravageurs, des maladies et des incendies. Confiez votre ferme au royaume de Dieu et demandez à Dieu de l'utiliser comme un tremplin pour l'expansion du royaume. Cela démontre votre engagement à ne pas être égoïste avec ce qui vous est confié comme gérant.
Je veux vraiment vous encourager. Parfois, quand on commence à faire l'agriculture selon les principes de Dieu, il semble qu'on est coincé sur un rocher dans un courant rapide. Je vous encourage de tenir ferme. Dieu est avec nous, pas contre nous, et il désire que nos fermes soient bénies. Reprenez la terre qui est en territoire ennemi. Marquez votre territoire fermement dans le sol pour la cause du roi et de son royaume. En tant que dirigeants, nous devrions servir les brebis en allant dans leur ferme et en les aidant à prier pour leur repentance et consécration. Quand nous avons terminé, nous devons tenir ferme et marcher courageusement, même face à l'opposition. Je connais des agriculteurs qui, après avoir passé à l'APD, ont connu de telles attaques de leurs pères et de leurs voisins avec des malédictions, des sorciers et des sacrifices si étranges qui les ont tant effrayés qu'ils ont renoncé à la promesse. Tenez ferme dans sa puissance et résistez au malin, et il fuira loin de vous, sachant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éphésiens 6, versets 10 à 18 dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le royaume dans lequel nous entrons se conçoit de manière bien différente du traditionnel règne de la terreur et de la crainte. Nous marchons dans la victoire du Seigneur qu'il a déjà remportée et dans la confiance tranquille qui vient de la connaissance et l'assurance de sa paix. Ne craignez pas, mais soyez sur vos gardes alors que vous marchez dans l'Esprit et sous la protection de son sang. Romains 8, 37 à 39 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Nous tenons ferme, nous marquons notre territoire. Seigneur, même en cet endroit où le surtout, nous voulons à ce que la plénitude de ton esprit reste ici. Que ta gloire brille dans toute cette région avec l'autorité et la puissance qui vient de ta Seigneurie. Seigneur Dieu, j'affirme toute prière qui a été prononcée et tout marqueur qui a été placé, Seigneur. Laisse que ta gloire soit révélée sur cette ferme et transformée de vie pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus.